Beaucoup de personnes ont écrit sur le catharisme et pas que des vérités historiques. Michel Roquebert, c'était la référence mondiale dans ce domaine. Mondiale, car beaucoup de pays, notamment l'Allemagne, s'y intéressent. Né à Bordeaux en 1928, son métier, c'est le journalisme. Il s'occupe de la rubrique art et spectacle au quotidien La Dépêche, mais très tôt, sa passion, c'est le catharisme. Il attendra sa retraite en 1985 pour s'y consacrer pleinement. Il produira alors la référence en la matière, l'épopée cathare, en 5 tomes et plus de 3000 pages. Il passe son temps à scruter les citadelles du vertige de l'Occitanie où vivaient au Moyen-Âge les cathares, ces chrétiens accusés d'hérésie et persécutés durant les croisades. Un travail minutieux d'historien a compulsé les registres de l'Inquisition, lui qui comprenait parfaitement le latin. Cet homme intègre, combattant de la vérité, s'est éteint à 91 ans. Il était chevalier des Arlequins.